mais ces affaires qu'elle connaît tout. Par contre, vous comprenez. Donc, on va venir maintenant tête nous que le rentrer des classes n'a pas parlé là. Que le question sécuritaire, que le DGI qui est en grève, que le situation port de Port-au-Prince, que le dossier KIP, que le nouveau budget là qui t'a doué et rentré en vigueur dès demain là, tout ça c'est l'affaire du CPT et Garigoni. D'ailleurs, si nous avons retourné un petit peu sous discours monsieur Leblanc dans la tribune des Nations Unies, il y a deux bas il dit que moi-même personnellement m'étais souligné fondamentalement. Li rappeler feuille de route transition qui c'est restaurer sécurité dans le pays, qui c'est organiser des élections et m'a cité des élections transparentes à la fin de l'année 2025 pour permettre que en 2026 gagner un président élu qui sorti dans l'élection qui prend tête pays, un gouvernement légitime qui arrive prend m'arrête là. Mais deuxième bah, il dit tout. Il dit pour nous arriver à faire ça, hein, nous-mêmes, nous avons cité responsables dans le plus haut niveau de l'État, nous connaissons que nous avons besoin de soutien communauté internationale là. D'abord, nous devons compter sous tête nous. Vous comprenez bien? Mm-hmm. Il dit pour nous arriver à faire tout ça, à savoir les grands chantiers qui sont dans la feuille de route transition, hein, à savoir tout ça que vous avez évoqué comme réalité gagnée, je ne dis pas, qui est une liste exhaustive, il y a plusieurs autres éléments, n'importe qui est capable de l'attaquer à ajouter. C'est vrai, vous comptez sur le soutien de la communauté internationale, mais d'abord, vous devez compter sur tête, vous devez compter, en parlant de chef, de responsable, de au niveau de l'État, sur résilience, mais surtout, sur capacité pour surmonter les divergences, les divisions internes. Ouais ça, moi souligner le de deux traits. Sous capacité pour surmonter les divergences et les divisions internes. Mm-hmm. Nous t'ai dit ça en l'heure, n'est-ce pas ça? Nous t'ai dit le fait que c'était Ariel Henry qui était seul qu'on chantait dans trois dernières années qui sont passées là. Donc tout ça qui te gagne comme critique, tu as joué directement à Ariel Henry. Donc tout ça qui pas fait, tout ça qui te doit fait qui pas fait, toute décision que tu dois prendre pas prendre ou bien qui mal prend tout, ou après toute flèche tu es allé en direction de Ariel Henry. C'était normal parce que c'est Ariel qui t'a joué tout rôle yo en le pays. Mais maintenant avec le départ ou bien la démission, comme vous voulez l'appeler, du docteur Ariel Henry, avec l'arrivée de ce pouvoir de transition, moi t'ai clairement dit, on a les hommes guerriers de seul, pas gagné aucune façon pour nous arriver à aborder le problème, pas aucune façon pour nous arriver œuvrer pour réussir la transition, ça, si pas gagné bon genre harmonie entre deux têtes de l'exécutif. Mm. En bon créole, mes amis, dit transition ça pas carré ici si premier ministre qui pral venir si nèg CPTO 9 têtes 7 têtes j'ont ta considérer yo pas gain bon gens harmonie avec premier ministre. Si chaque monde a brigue la fait pas, si chaque monde a ambition pas, si chaque monde a défendre intérêt pas, si chaque monde a gérer cause yo dans niveau pas yo, c'est pour pays à la fatale. Et de fait, c'est ça qui est arrivé. Si Garigoni, ensemble avec conseiller président, yo, CPT a comme structure, pas arrivé, défini, en collaboration étroite et sincère, on a des hommes, guerriers du seul, tout ça, on a parlé comme réalité, ou bien tout ça, ni Edgar, ni nous-mêmes, nous toujours évoqué là, comme priorité, c'est blague n'a pas. C'est garder, n'a gardé. Année 2024 la fini, nous prenons 2025. Et pour n'a pas marqué pas sur place. Pas de quelle ligne qui bougeait dans le vrai sens. Du coup, 2025, la carrière depuis la transition a abouti. Et pour tout ça, nous avons dit que nous avons pas de yon qui fait véritablement. Là, moi-même, je te prends courage pour me parler de division qui gagnait entre le conseil présidentiel et la primature. Il y a un monde qui dit ah,
et pour parler en pile Johnny a dit ça pas grand rien et entre la primature et le conseil présidentiel toute bagarre marchait bien etc. Mais le temps d'après la bonne raison j'aime toujours dire nous-mêmes nous détestons avoir raison par contre vous comprenez nous pas écarté possibilité et d'ailleurs il comme ça souvent dans l'espace pouvoir qui a toujours gagné des luttes intestines parce que il y a des intérêts particuliers il y a monde qui a des ambitions etc. Dans l'espace pouvoir qui a toujours gagné des intrigues dans l'espace pouvoir qui a toujours gagné coup de langue qui a toujours gagné poté aller poté venir etc. Nous pas écarté possibilité dans l'espace pouvoir gagné nèg qui t'a qu'à souhaiter gagner plus pouvoir par sur l'autre pas écarté possibilité il connaît comme ça déjà ni les bonnes consoles président voir que je dis là nous gagne 9 présidents donc en géo beaucoup plus même au niveau de la primature quand on t'a dit c'est monsieur Kone qui seul chef mais pas écarté nous pas écarté possibilité mais pas étonné ou on a des hommes sur dans deux premiers ministres qui ont bataille tout on bataille d'influence voilà bien ça oui. Bon côté premier ministre qui ont bataille d'influence pour connait qui est qui gagne plus marge dans décision qu'a prendre bien oreille bien qui aurait bien vous comprenez au niveau de la primature côté premier ministre c'est seul chef ou c'est l'unique gros chef oui pas mandé me connait pour le village d'accueil côté il y a 9 conseillers présidents ouais. OK 9 conseillers présidents côté c'est des secteurs qui voyez et chaque secteur ça yo yo gagné agenda pa yo chaque représentant secteur ça dans conseil là yo gagné agenda pa yo donc nous pas attendre nous que nous t'a venir là comme si l'église tout monde t'a rentré yo t'a juste chita un bon enfant de cœur l'évangile prêché puis tout monde dit amen yo viré jamais cependant puisque nous dans situation exceptionnelle puisque nous dans situation d'urgence nous t'es toujours croire gon côté nous arriver nous capable assister à un dépassement de tout monde ça yo que le t'es pour un ministre en la personne de Gary Kone que le t'es 9 têtes qui en dans conseil présidentiel là vous dites monsieur me comprendre que nous chaque intérêt nous là et oui c'est des présidents nous nous chaque voulait pour nous paraître ton genre mais maintenant pour le bien du pays pour la réussite de cette transition on garde qui ça nous a fait OK pour nous mettre ne serait-ce que momentanément si vous voulez intérêt petit coulout nous sur côté pour nous prioriser l'intérêt national mais tel n'a pas été le cas. Et tel n'est pas le cas jusqu'à ce matin. Exact. Violon yo pas accordé et au lieu que nous t'a capable assister à un dénouement de situation en côté gagnien et des bah qui viennent à gérer ou même qui viennent à pissou entre le CPT et la primature, eh bien violon yo still va accordé et n'a pas de jodi a si yo pas vinn pi mal. Maintenant, les gagnien ti hanza, ti du feu volant ça, les division ça entre structure transitionnel ça avec chef gouvernement fais moi confiance c'est pas pour conseiller président le pas bon fais moi confiance c'est pas pour Gary Kone il est pas bon yeah. Bien sûr si vous regardez après passage dans notre pays nos 4 bilans OK mais il y a touché eux même il y a joui privilège qui marche à fonction eux même etc. Au final plus gros perdant c'est le pays et voilà pourquoi nous autres nous toujours préconiser bon gens harmonie bon genre collaboration, bon genre relation entre ces deux têtes de l'exécutif. Dans la conférence pour la presse, Edgar Leblanc fit ça. Il y a des journalistes qui posaient des questions les unes plus pertinentes que les autres. Par exemple, il y a un journaliste qui m'a dit monsieur Leblanc, pour qui ça, pas gagner des conseillers présidents qui présent dans le monde qui vient chercher lui. Yeah. Ou qu'à penser, c'est une question banale. Mais ce qui est tout sens. Même si M. Leblanc répond, bon, il est le représentant du CPT, etc. Donc, depuis là, c'est le CPT. Moi, je dis faux. Absence, on conseille le président au moins. Ouais, m'a dit tout huit, non? Absence, yon au moins. Ni n'a mené Leblanc à Léa, ni n'a recevoir là, il va innocent. Ma contre, là, non? Monsieur Leblanc expliquait qu'il y a une collaboration étroite entre le CPT et le chef du gouvernement ou bien la primature, c'est Ngadil Rosa. Moi-même, personnellement, je ne peux pas attendre que Edgar Leblanc a venu vous dire bon, nous-mêmes avec la primature, nous ne pouvons pas entendre. Jamais. D'ailleurs, si vous posez
Monsieur Kony, on question là en public sous relation avec CBT, la bzou tout va bien. Supposé un conseiller président, notamment Edgar Leblanc, fils question en public. Eh? Par exemple, dans la radio, dans cadre d'émission, dans l'interview, ou dit comment relation CPT a ensemble avec Primature, la bzou, yo correct? Par contre, vous comprenez. Mais yo tous les deux connaissent, c'est pas vrai. Et pour qui ça, division qui t'a gagné entre CPT avec Primature est important pour nous, parce que li pas sans conséquence sous gens, autorité va pas dire ces problèmes, yo, c'est clair. S'il pas t'a affecté, processus de recherche de solution à problème nous gen là qui te mêlé derrière nous nèg ta bataille ça m'a dit non hein que Edgar et que l'autre conseiller président était dans goumen vous comprenez t'es dans bail et tripotaille t'es dans pour t'aller pour te venir etc. C'est parce que bien évidemment depuis monsieur ça yo pas attendre au pire au niveau l'état problème qui existait là un yo ka rete sa solution et gen yo ka détériorer. Et à the end of the day, c'est pays qui a fait frère. Yeah. Et voilà pourquoi cela nous préoccupe au plus haut point où on a les hommes. Mm-hmm. Parce que l'aime parler avec des acteurs bien placés dans l'âge de structures, que la Primature et le village d'accueil, il y a la relation entre Edgar Leblanc fils et Gary Kony d'un côté, et il y a la relation entre le CPT et la Primature de l'autre côté. On dit n'a fait parole monsieur Leblanc au confiance à savoir que la Primature et le CPT collaborent étroitement. Et bien gen nèg au niveau du CPT qui dit là Leblanc a parlé de relations avec Galgoni. D'ailleurs le gouvernement a annoncé que c'est dans le sud il y a bail coup d'envoi. Deuxième réalité toujours concernant l'insécurité, rien va changer. Sinon, que gagne des feedbacks avec les jeunes pour dire la police après si vous avez fait des becs au niveau de Grissier, etc. Mais la route nationale a toujours été bloquée, disons la principale route nationale. Les examens ont toujours contrôlé et ont bon parti dans le territoire. Ça. Gagne des artères jusqu'à présent, des axes routiers qui sont toujours difficiles d'accès. Par rapport avec la réalité gang yo. La police dit ap mené des opérations, mais jusqu'ici, on peut m'en demander de qui ça et opération ça yo bail. Et parallèlement, nous avons des débats fait au niveau de la mission multinationale. Yo croit que jusqu'à présent, mission an poco efficace, j'en ai efficace là, et yon nan problème yo avancé, yo dit c'est parce que pays qui te doué contribuer jusqu'à présent, qui réticence pour résoudre pour l'autre, l'argent que tu pour mettre au bail, ça veut dire que mission n'a pas gagné ressources, n'a pas gagné moyens nécessaires pour la terre. Et ça faut ouais parole transformation t'a parlé. Et d'après information gagnée, transformation ça semble carré ton rêve par rapport avec la Russie avec la Chine qui t'a sur route là pour imposer droit de veto etc. Gagné demain 1er octobre là tout pays qui t'a doué qu'on ait un nouveau budget. Nous dit t'a doué. Parce que la fin de l'exercice fiscal, c'est pour ce lundi 30 septembre. Est-ce que pays a qu'on ait un nouveau budget ou bien est-ce que ces budgets rectificatifs là, et le gouvernement qu'on ait là, t'es fait, qui va adopter ou bien qui a pas en vigueur toujours, nous va qu'on ait. Mais pendant qu'on a parlé de fin de l'exercice fiscal, pendant qu'on a parlé de budget, l'important pour nous souligner, vous amis auditeurs, exercice là fini là, on doit être commencer. Côté gagné deux gros institutions qui là pour collecter l'argent pour l'État, yo, qui gagne des problèmes. D'abord, il y a la Direction générale des impôts. Depuis pratiquement, il y en a deux semaines là, on grève tête chargée. Côté tout DGIO, employé tout DGIO en grève dans tout le pays. Là. Il a exigé de meilleures conditions de travail. Il a exigé et pour mettre infrastructure.